Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un montage pour pêcher le calamar avec un bouchon. Donc, vous allez prendre votre canne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la ligne directement sur la ligne, sur la canne, pardon. Donc, vous allez prendre un émerillon. Voilà. Vous allez passer dans la boucle deux fois du même côté. Voilà. Ça va vous permettre de régler le fond que vous désirez sur votre canne. Donc là, ensuite, vous allez prendre votre flotteur. Donc moi, j'utilise un bouchon lumineux parce que je pêche principalement de nuit. Mais après, vous pouvez utiliser un flotteur normal aussi, hein, pour ceux qui pêchent en journée. Voilà. Donc là, c'est installé. Donc là, c'est un flotteur de 20 grammes. Du fait que le montage va être assez lourd, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une olive de 10 grammes. Donc, on prend notre olive, on la met dans le montage. En temps normal, ici, je mets une perle molle, mais là, j'arrive pas à remettre la main sur la boîte. Donc, pour la vidéo, je vais pas en mettre. Ensuite, vous reprenez un émerillon. On fait son nœud à 6, hop, voilà, on humidifie, on serre, voilà, et on coupe l'excédent du fil, voilà. Donc, à partir de là, on va remouliner un petit peu, hop. Je vais prendre la canne, on va mouliner. Donc là, sur le montage, pour le moment, on a notre flotteur. Voilà, avec notre émerillon. Voilà. Et là, ensuite, on va poser ça sur le côté. Vous allez prendre des aiguilles comme ça, qui sont vendues dans le commerce. Avec un trou ici que je vous avais montré, vous allez mettre une sardine, vous allez mettre votre ficelle, et là vous allez tout simplement venir ouvrir votre émerillon. Une fois que la sardine est dessus, et vous allez le glisser dans l'émerillon. Là, vous réglez la hauteur de votre à la profondeur que vous voulez, et vous êtes prêt à pêcher. Donc là, il n'y a pas besoin de lancer, ramener, hein, vous choisissez la profondeur de nage, hein, parce que le calamar, c'est pas comme la sèche, hein. Le calamar, il peut être entre deux eaux, même en surface, hein. Tandis que la sèche, elle quitte rarement le fond pour se nourrir. Donc là, c'est vraiment pour le calamar, hein. Donc vous choisissez la profondeur, et hop, vous posez votre ligne. Et vous attendez, vous n'avez pas besoin d'animer. Donc moi, ce que je fais généralement quand j'y vais, je fais une dizaine de montages comme ça. J'ai une dizaine de cannes à l'eau comme ça, et j'attends. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.